que le FNDC est un échec? Qui a dit que la participation de Sédane Diallo ou de l'UFDG aux élections présidentielles du 10 octobre, disons, a été un échec? Qui a dit que le tripatriage de la constitution guinéenne par Alpha Condé et le sanguinaire, disons, sera sans conséquences graves, chers contre-guinéens? Voilà, c'est mon titre d'information. Les détails maintenant, chers contre-guinéens. Alors, vous l'avez suivi autant que moi, chers contre-guinéens, la semaine dernière, ou cette semaine même, Alpha Condé, en fait, très fréquent, n'est-ce pas, avec ses discours, vous voyez. Alors, tout récemment, il a expliqué, chers contre-guinéens, que les Guinéens doivent maintenant, dès maintenant, serrer des ceintures, que la Guinée va en fait traverser des moments très difficiles. Alors, disons pour une fois, Alpha Condé dit la vérité, c'est-à-dire que effectivement nous allons passer des moments très difficiles, n'est-ce pas? C'est pas pour, il dit quelques moments. Moi, je pense que, écoutez, c'est en fonction de la situation politique, donc cela prendra du temps. On va en souffrir beaucoup, chers contre la Guinée. Alors, pour il dit, pour une fois, Alpha Condé dit la vérité. Pour une fois, d'un côté. Mais de l'autre côté, alors, il ment, c'est-à-dire, il explique également la cause de ces problèmes que nous allons avoir, que nous avons maintenant, hein, et ainsi de suite, dans les jours à venir, des mois ou des années à venir, n'est-ce pas, c'est-à-dire la cause de ces problèmes-là, et là, il ment. Parce que là, il nous dit, bon, écoutez, nous allons souffrir maintenant, nous allons connaître de vrais problèmes, n'est-ce pas? Et là, il explique le contexte actuel, disons, international, la pandémie, en fait, de Covid-19 chez les contre-guinéens, comme la cause de tout cela. C'est là le mensonge. Donc, d'un côté, il dit la vérité, nous allons souffrir, nous souffrons, nous allons continuer à souffrir, mais dans l'explication de la cause, donc, de ces problèmes-là, il ment très clairement, Alpha Condé. Je dis bien, il ment, le mensonge, dire que vous mentez, ce n'est pas insulter, n'est-ce pas? C'est le français, c'est un mot, vous mentez, ioulé, hein, donc, en sous-sous. Parce que quand vous ne dites pas la vérité, hein, c'est de la contre-vérité, donc on emploie ce mot « vous mentez ».« Ioulé ». C'est très clair, chers contre-guinéens. Très bien. Alors, je dis bien, et qu'est dit Alpha Condé? Je vais le lire un peu. On va suivre, et suivra également, en fait, ou suivront mes analyses aussi, chers contre-guinéens. Alors, Alpha Condé dit, je cite, « c'est bien d'avoir le courant ». Vous voyez, il y a des problèmes. Ces problèmes, d'abord, il y a un problème d'électricité, de courant. Donc, il commence là. Des problèmes, on va connaître, surtout au niveau, en fait, du courant électrique. On aura beaucoup de problèmes, on n'aura pas de courant 24 sur 24. Je vais lire ce qu'Alpha Condé dit. C'est bien d'avoir le courant, mais il faut payer. C'est Alpha Condé qui le dit. Avec le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, alors, il sera difficile, disons, de répondre aux attentes des citoyens. C'est Alpha Condé qui dit ça, chers contre-guinéens. Il dit, c'est bien d'avoir le courant, mais il faut payer. Dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, donner le courant 24 heures sur 24? Alpha Condé se pose la question. Surtout que les gens qui ne payent pas laissent le courant allumé, en fait, toute la journée. Faut-il donner le courant la nuit et une partie de la journée? Alpha Condé dit que c'est un débat. Un débat. C'est-à-dire, faut-il donner le courant la journée, une partie, un quartier, certains quartiers qui ont le courant la journée, et d'autres la nuit. Ça, c'est un débat. Incroyable, chers contre-guinéens. Alors, il continue, Alpha Condé, il dit, oui, c'est un problème. C'est un problème, il dit, parce que le coût de production de courant est 10 fois supérieur que, en fait, au fait, à son coût de vente. Le coût de production, 10 fois supérieur que le coût de vente. Et va y dire, en faisant une certaine comparaison, aucune entreprise ne peut vivre si son coût de production est 10 fois supérieur que son coût de vente. Ça, c'est vrai. C'est la faillite, en fait. Très bien. Alors, Alpha Condé dit, c'est donc, en fait, la question où les gens font... En fait, il va, en fait, se référer à une autre situation. Des gens qui font, par exemple, des branchements, en fait, clandestins dans cette quartier de Conakry. On parle de Conakry, à l'intérieur du pays, on n'en parle même pas. Alors, il dit que si, par exemple, il y a certains mouvements ou certaines rébellions dans certains quartiers, c'est lié à cela, des branchements clandestins, chez contre-guinéen. Très bien. Il dit, partout, en fait, en parlant de la situation internationale, partout, les prix montent. Alors, c'est à nous d'expliquer à la population
que nous devons trouver, en fait, que nous devons traverser des moments difficiles, qui est celui, en fait, lié, en fait, des moments difficiles liés au contexte international. Alors, Alpha Condé va jusqu'à dire, alors, vous voyez aujourd'hui la situation, en fait, dans les pays comme la France, les États-Unis et l'Allemagne. Nous devons avoir le courage d'expliquer à la population quelle est la situation pour comprendre que nous allons en fait passer des moments difficiles. Alors, Alpha Condé, pour terminer concernant ce côté, il dit « Dieu aime beaucoup la Guinée ». N'est-ce pas? Nous n'avons pas fermé les marchés, nous n'avons pas fermé les usines, les bars, mais bon, nous avons en fait les meilleurs résultats. C'est Alpha Condé qui le dit, cher compteur Olivier. Très bien. Alors, et là, il va ensuite parler, en fait, également toujours de Covid-19, c'est le compteur guinéen. Il dit, la Guinée avait un taux de guérison de 97%. Malheureusement, on a organisé des cérémonies sans masque. Nous avons, en fait, fermé Donka, mais à cause de l'indiscipline, nous avons plus de 500 hospitalisés. On est passé de 98% à 99%. De taux de guérison. Nous sommes déjà à 49 morts. C'est pourquoi, il dit, j'ai décidé, en fait, de prendre des mesures extrêmes, drastiques, chez le compteur guinéen. Alors, voilà. C'est un peu le discours d'Alpha Condé, chez le compteur guinéen. Alors, parlant du courant électrique, n'est-ce pas? Des problèmes, l'un des problèmes que la Guinée va traverser. Ensuite, je vais parler aussi de la fête à fête de Covid-19. Alors, Alpha Condé dit, bon, écoutez, c'est vrai qu'il y a un problème de courant. Comment voulez-vous que, en fait, qu'il y ait de courant 24 heures sur 24, n'est-ce pas, s'il y a des citoyens, des clients qui gaspillent le courant, n'est-ce pas? La mauvaise gestion, en fait. C'est quand même ridicule, parce que, cher compatriote Guinéen, moi je me dis, vous serez d'accord avec moi, que le problème ici n'est pas de la gestion, en fait, énergétique au niveau des clients. Mais il y a un problème d'abord au niveau de la source énergétique. Il n'y a pas la constance au niveau de la source énergétique. Il n'y en a pas. Dites-moi, quelle centrale électrique, cette centrale hydroélectrique, donc en Guinée, capable de ravitailler la Guinée, en fait, en courant électrique 24 heures sur 24. Il n'y en a pas. Donc il y a un problème au niveau de la source. Alpha Condé renvoie le problème ailleurs, les coupables c'est les autres, c'est-à-dire vous, en fait, gérez mal, en fait, vous consommez mal, en fait, l'énergie électrique. Ce qui est faux, cher compteur guinéen. Parce que, je dis bien, au niveau, ce problème c'est au niveau de la source électrique et non dans la gestion particulière, au niveau de chaque client. Non, parce que là, écoutez, c'est facile. Il est question seulement à ce qui concerne la gestion, en fait, et particulière au niveau de chaque client, mais il faut une bonne législation. Il faut le respect des règlements. Il faut une bonne organisation. Mais c'est clair, au Sénégal, ils ont trouvé solution à cela. Au Sénégal, il y a une source énergétique stable, constante, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne la gestion énergétique particulière pour chaque client, mais écoutez, plus vous consommez, n'est-ce pas? Utilisez tous les appareils que vous voulez électriques dans votre maison, plus vous consommez, écoutez, la facture qui viendra, ce sera au prorata, en fait, de ce que vous avez consommé. C'est clair et net. Au Sénégal, d'ailleurs, vous comprenez, vous avez votre maison, n'est-ce pas? Vous consommez l'électricité. C'est vous qui savez si d'habitude vous consommez l'électricité, vous payez seulement la facture 100 000 francs, n'est-ce pas? Et si à la fin du mois, il vous arrive 500 000 francs, mais écoutez, c'est parce que vous avez beaucoup consommé. Et là, tant pis. Vous payez les 500 000 francs et les 500 000 francs participeront dans le coût de production ou dans la gestion, en fait, humaine, de ressources humaines. Mais c'est clair. Alors, au Sénégal, écoutez, tout est bien organisé. N'est-ce pas? Vous allez, vous le faites comme on charge notre téléphone avec les passes, n'est-ce pas? Vous achetez des passes, par exemple, 10 gigas, n'est-ce pas? Si vous achetez 10 gigas, avec les 10 gigas, vous utilisez les vidéos, n'est-ce pas? YouTube, TikTok et Tantan, ça consomme vite, hein? Ça va finir votre 10 gigas, ça c'est clair et net. Les 10 gigas vont finir. Et quand c'est fini, vous achetez. Normalement, les 10 gigas, peut-être, c'est pour un mois, mais si vous utilisez, en fait, YouTube, TikTok et tant autres, 2 semaines, c'est fini. Et là, vous êtes obligé d'acheter. Au Sénégal, c'est comme ça, les gens gèrent l'énergie aussi. N'est-ce pas?
Utilisez les appareils que vous voulez dans votre maison. Mais quand c'est fini, eh bien écoutez, il y en a pour charger. Vous allez quelque part, il y a le compteur, vous chargez, vous payez sur place, vous chargez l'énergie, la quantité que vous devez utiliser dans le mois ou dans la semaine. Tout est organisé. Mais déjà, parce qu'au Sénégal, la source énergétique est constante. Ça ne bouge pas. Ça est là, suffisamment. Ce n'est pas, en fait, source intarissable, s'il faut. Alpha Condé détourne l'attention, chers compatriotes guinéens. En Guinée, il y a un problème de source énergétique. Il n'y en a pas. Donc, on n'accuse pas, en fait, les clients, les citoyens. Alpha Condé avait dit, vous vous rappelez, dans les campagnes, je ne sais pas de quelle année, il avait dit qu'en 2 ans, 3, je ne sais pas, le courant électrique en Guinée, 24 heures sur 24. 10 ans après, ce monsieur vient nous dire, bon, écoutez, vous consommez mal l'électricité. Vous laissez le courant allumé toute la journée. Mais ce n'est pas votre problème. C'est le problème du client. Si vous allumez le courant toute la journée, la facture viendra, n'est-ce pas? Et cette facture-là, au prorata de ce que vous avez consommé. Et vous payez. Où est le problème? Cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, donc, Alpha Condé dit que nous allons passer des moments difficiles. Écoutez, des moments difficiles, oui, des moments difficiles parce que cet homme-là a trop menti, cet homme-là, c'est le problème actuel. Les moments difficiles, on n'aura pas de courant 24 sur 24 parce que nous n'aurons pas de source énergétique sûre, constante, il n'y en a pas. Et ça, c'est la faute à qui? La faute à lui, Alpha Condé. Très bien, Alpha Condé parle aussi, en fait, de Covid-19, n'est-ce pas? Qu'il y a eu, en fait, voilà, même si, honnêtement, sérieusement, écoutez, je ne dis pas que Covid-19 n'existe pas, si ça existe, mais soyons clairs, soyons, en fait, réalistes, en Guinée, on n'en souffre pas assez, il n'y en a pas tant, comme Alpha Condé tente de le dramatiser, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Alors, mais si c'était le cas, par exemple, on a vu Alpha Condé organiser les législatives pendant qu'il y a Covid-19, on a vu Alpha Condé organiser les élections présidentielles, faire sa campagne, donc il y a un groupement d'individus de plus de 50, 100, 200, n'est-ce pas? Et là, il n'en parlait pas. Aujourd'hui, il est en train de dire, bon, écoutez, avec l'indiscipline, avec des cérémonies, etc., etc., malheureusement, on enregistre des cas, en fait, d'infection. C'est comme tout le monde. Très bien. Alors, tout ça, des mensonges, tout ça, Alpha Condé parle des problèmes que nous allons connaître dans les mois, dans les semaines, dans les mois à venir. Mais écoutez, je dis bien, c'est pour détourner notre attention de la réalité. Tous ces problèmes-là qu'Alpha Condé cite, n'est-ce pas? Le Covid, en fait, ou en fait la pandémie Covid-19 n'est pas en fait l'origine de tout ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'explique ça tout à l'heure, cher compte de Guinée. Très bien. Aussi, nous avons, vous avez écouté Kassori Fofana. Kassori Fofana, nous l'avons écouté, c'était pendant l'inauguration, du musée de la monnaie de la banque, de la BCRG, de la Banque Centrale de la République de Guinée. Alors, avec cette citation de Kassori Fofana, il dit « Les réserves de change de notre pays, en fait, dépassent 1 milliard de dollars, que la Banque Centrale de Guinée possède 1 milliard de dollars de réserves de change. » Réserves de change, c'est quoi? En fait, purement technique, bon, écoutez, pour se comprendre, on va les terre à terre. En fait, ce sont des avoirs, disons, en devises étrangères et en or détenus par une banque centrale. N'est-ce pas? Alors, écoutez, brièvement aussi, terre à terre, la banque centrale également joue un rôle important dans la création de la monnaie. N'est-ce pas? Alors, si vous remarquez actuellement en Guinée, on dit que, en fait, la monnaie guinéenne, le franc guinéen est totalement dévalorisé, on note la hausse également des prix. Il y a certains économistes qui expliquent que la dévaluation de la monnaie guinéenne maintenant est liée en fait à l'offre monétaire en fait exorbitante sur le marché. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de monnaie sur le marché et cela joue effectivement sur la valeur de l'argent et même les prix, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, et là, la banque centrale, si c'est là le problème, la banque centrale pourtant peut jouer un rôle important. Surtout que Kassori Fofana nous dit que la réserve de change, donc la banque centrale, actuellement est d'un milliard de dollars. Donc, réserve, en fait, ce sont des avoirs, des devises, des avoirs en devises étrangères et en or détenus par la Banque Centrale de Guinée. La Banque Centrale de Guinée peut-elle détenir, en fait, de telles réserves de change, hein, et voir la situation, en fait, se détériorer concernant, en fait, l'offre monétaire sur le terrain? Parce que la Banque Centrale,
peut, par certaines opérations, en achetant, par exemple, excusez-moi, beaucoup des termes sont plutôt très économiques, en achetant, par exemple, les bons de l'État, disons des titres d'emprunt, des obligations de l'État, et disons, en achetant des emprunts de l'État, l'État emprunte de l'argent aux banques ou à la banque centrale, n'est-ce pas? En empruntant de l'argent à la banque centrale, cette opération, en fait, augmente l'offre monétaire sur le terrain. Il y aura beaucoup plus d'argent sur le marché. Et cela peut dévaloriser la monnaie. N'est-ce pas, cette opération que l'État emprunte de l'argent à la banque, disons comme ça, terre à terre, sans utiliser des termes purement économiques dans ce domaine-là. Et quand la banque centrale a des emprunts de l'État, elle-même, elle vend ses emprunts au secteur privé, vous comprenez, cette opération crée quoi? Crée une réduction de la masse monétaire ou de l'offre monétaire. Et c'est là le problème actuel en Guinée. Et c'est là d'ailleurs la solution qu'il nous faut. La monnaie est dévalorisée, il y a tant de problèmes, alors il faut donc réduire l'offre monétaire. Et comment? C'est la banque centrale qui doit le faire. Et Kassoum nous dit que la banque centrale a au moins 1 million de dollars de réserve d'échange, chers compteurs guinéens. Alors on se demande alors, ça veut dire que les commerçants peinent à importer, vous comprenez, à importer parce qu'il n'y a pas de devises étrangères. Et la banque centrale en a. Pourquoi ne pas vendre ces emprunts de l'État au secteur privé qui pourrait en fait résoudre le problème? Les commerçants peinent à importer parce que manque de devises étrangères, chers compteurs guinéens, et la banque centrale en a. Kassoum Fofana dit-il la vérité? Des maçons, chers compteurs guinéens, des maçons, seulement des maçons. Nous connaissons Kassoum Fofana, c'est un menteur né, chers compteurs guinéens. Un menteur né, je vous dis bien. Mais c'est vrai. Il y a 1 million de dollars en réserve d'échange, s'il vous plaît. Alors, il faut faciliter la tâche pour qu'il y ait réduction de l'offre monétaire. Alors, on se demande maintenant, si c'est vrai ce que Kassoum dit, qu'il y a 1 million de dollars de réserve, en fait, de réserve, effectivement, d'échange, mais écoutez, si c'est vrai que cet argent existe, bien sûrement, sur leur compte, le compte des membres d'Alpha Condé et ses membres, sur leur compte à l'étranger. Oui, parce qu'ils ont tous des comptes à l'étranger. Ces devises-là, l'argent en question, se trouve sur leur compte. Le compte de chaque membre du gouvernement, en fait, des gens au pouvoir, de ces menteurs au pouvoir. Mais c'est vrai, si c'est vrai que 1 million de dollars, en fait, de réserve en change existe, écoutez, nous ne notons pas ça sur le terrain. Nous avons les commerçants qui peinent à importer, chers compteurs guinéens. L'argent là existe, alors effectivement, c'est gardé à leur niveau, sur leur compte à l'étranger. C'est clair et net, chers compteurs guinéens. Alors, vous m'avez compris, chers compteurs guinéens. Alors, je dis bien, qui a dit que le FNDC, en fait, a été un échec, que la participation de Sédane Diallo aux élections présidentielles du 10 octobre dernier a été un échec, auquel le tripartite constitutionnel par Alpha Condé, en fait, n'aura pas de conséquences graves. Moi, je dirais que non. Le FNDC n'a pas été un échec, la participation de Sédane Diallo ou de l'UFDG aux élections présidentielles n'a pas été un échec, non plus. Écoutez, le tripartite constitutionnel par Alpha Condé, en fait, n'ira pas ou n'est pas allé sans conséquences graves, chers compatriotes guinéens. Mais c'est vrai, je disais au départ que Alpha Condé dit qu'ils auront traversé des moments difficiles, c'est vrai. Je dis que, et pour une fois, il dit la vérité. Mais pour expliquer la cause de ces problèmes, et là, il a menti. Ce n'est pas COVID-19. Ce n'est pas lié au COVID-19. Ce n'est pas lié au contexte actuel de la pandémie COVID-19, c'est faux. C'est lié, effectivement, au comportement politique catastrophique d'Alpha Condé. Chers compteurs guinéens, le FNDC s'est battu pour, en fait, le respect de la constitution guinéenne. Beaucoup de manifestations, des gens ont été tués, des gens ont été arrêtés. La communauté internationale a vu tout ça et voit tout ça. Sédane Diallo a participé aux élections présidentielles du 10 octobre dernier. Nous savons tous que ces élections ont été, en fait, irrégulières. Alpha Condé s'est imposé par la force, avec ses armes, et en plus, en massacrant les citoyens. Alpha Condé a tripatué la Constitution, n'est-ce pas? Alpha Condé, en fait, a, s'il faut dire, déconsidéré les valeurs démocratiques. Pensez-vous que la communauté internationale fermera les yeux sur ça? Actuellement, en fait, les dettes pour la Guinée, il n'y en a pas. C'est un blocage total. La Guinée ne peut pas recevoir de l'argent actuellement pour financer ses projets.
Tout est bloqué, totalement bloqué, verrouillé. Et là, c'est la réaction de la communauté internationale, et comme effectivement l'a tous demandé le FNDC. N'est-ce pas? Et sans peut-être le demander, c'est la réaction de la communauté internationale après la participation de ce dernier dialogue aux élections présidentielles du 10 octobre dernier, avec tout ce qui s'est passé chez Contrelinien. Et le tripatriote conscient d'Alpha Condé, qui, cet homme qui, pendant 45 ans, s'est battu pour les valeurs démocratiques et qui trahit tout un peuple chez Contrelinien. Et ça, la communauté internationale ne peut pas, en fait, le pardonner chez Contrelinien. C'est clair et net. Voilà. Je dis et je le répète, c'est dans le dialogue en participant aux élections présidentielles, ça n'a pas été un échec. Le FNDC n'a pas été un échec. Le tripartite constitution ne sera sans conséquence. Et c'est ce que nous récoltons actuellement. Qui sème la tempête récolte, ou qui sème le vent récolte la tempête. Maintenant, nous, en fait, récoltons tout simplement la tempête après avoir sémé le vent. Alpha Condé, avec cette mauvaise politique, avec la dictature, on va en souffrir. Alpha Condé l'a dit, on va souffrir beaucoup, on va souffrir, oui on va souffrir, mais pourquoi on va souffrir beaucoup? C'est à cause de sa politique, à cause de son entêtement de se maintenir au pouvoir à vie, cher Contrelinien. C'était Nabil Kamara de Public Sert, merci pour l'écoute, bonne soirée.